Hey les gars, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, car moi ça va. Bon, aujourd'hui on se trouve pour une critique, mais juste avant la vidéo, je vous demande de rejoindre mon serveur Discord, il sera dans la description. Il y a plein de salons écrits et vocaux, et une super ambiance avec des giveaways. Enfin bref, je vous invite à le rejoindre. Bon, aujourd'hui on se trouve pour une critique sur un youtubeur nommé Draim. Comme vous le savez, j'ai déjà parlé de youtubeurs sur les news Fortnite, comme Waz. Et j'ai déjà dit que les vidéos putaclic des Fortnite News me dégoûtaient littéralement. Donc si vous aussi détestez ça, je ne vous conseille fortement pas d'aller voir la chaîne de Draim. Les vidéos de Draim sont, on va dire, putaclic. Tenez, j'ai pris un screenshot hasardeux sur sa chaîne, et en un screen, voilà ce qu'on y trouve. Et oui, beaucoup de putaclic et de miniatures volées, comme pour cette dernière vidéo et live. On peut voir certaines miniatures voler à l'étoile nord et slash gun. Même si je n'aime pas ces youtubeurs, c'est quand même du vol. Il le dit même en commentaire. Attends, Draim, tu ne pourrais pas être plus amical envers tes abonnés qui te soutiennent énormément malgré ton contenu si mensonger? Tu me l'as même dit en conversation vocale Discord que les miniatures ne sont pas de toi. Tu m'as dit que tu mettais la chaîne du créateur de la miniature en desk, mais il n'en est rien, et ça pour toutes tes vidéos. N'oubliez pas non plus, on tente l'objectif des 100 likes pour cette vidéo. Nous allons tout de suite comprendre celle pourquoi elle faut mettre 100 likes, les gars. Donc, il faut savoir qu'il y a, le compte, il y a tout simplement un skin Twitch Prime qui va arriver sur Fortnite. Il faut savoir que ça fait assez longtemps quand même qu'il n'y a pas eu de skin Twitch Prime. Une autre chose m'a surpris est qu'il fait partie également des plagieurs, la totale, car il a volé la vidéo suivante. On voit bien en haut à gauche que ce n'est pas son compte et qu'en pleine vidéo il y a des textes en anglais. Depuis un certain temps, au début de ses vidéos, il dit qu'à ses 5000 abonnés, il fera gagner 100€ de cartes cadeaux. Alors, je lui ai demandé en vocal où il allait trouver cet argent. Il m'a répondu qu'une de ses vidéos avait fait 150 000 vues, et que ça lui avait donné de l'argent. Encore du mensonge, car déjà pour ma part, je n'ai pas trouvé, mais pas beaucoup cherché, on va pas se mentir, de vidéos à 150 000 vues sur sa chaîne. Et même, une vidéo de 150 000 vues ne peut pas rapporter 100€. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si je n'ai pas parlé de tout ce que je savais sur Draim, comme pour les gameplays volés. Je m'excuse également pour le manque de vidéos dû à un manque de temps, mais surtout à une flemme intersidérale. Bref, c'était Aurel. Sur ce, bye. I wanna ride the Rick Owens. Ooh.